Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Fraternity UHC. Nous sommes en Road, l'absorption est au fait Kevin De Bruyne est dans la place pour niquer des darons. Cette saison, Eneder va encore mourir de faim. Ma team va gagner. Nous allons présenter les TAM, suivez-moi les PD. Voici la team de Ini, Benji et Moulinette. À côté, la team de Kérondar Camion et Aurelien Monsieur Lex de Cubisme. Après, les yaourts de merde avec Sofiane Maximilion et Gurville PD. Ensuite, la team de Vini HD avec le triardaire de Kaski, LOL il a le Seum car il y a nos rôdes, et aussi Corentin, Minecraft alias Tritez. Après, on a Hippovador, avec Vekel et Eudrix. Après, Bombi le joueur Optifine, Toté, et Druya. Ensuite, nous avons Eneder, Ozifou et j'ai du sort LOL. À côté, Arnaud, Nekuso et Curto. Après, moi-même le dieu du PVP français avec Madame Eyeya le PGM sur Rocket League et Dragiox le même que la saison 1, oui c'est lui. Après, nous avons Arcunir, Susumilk et Menibo. Et enfin, Kobax, Rusty et Strain le Crin. Voilà, nous avons présenté les TAM, nous allons maintenant commencer. Gardez pas les poteaux, on est là pour s'enjailler LOL. Allez à plus en LAN. Voilà, donc du coup, désolé pour les noms et tout, parce qu'en fait, j'ai mis Totei avec Druya et Susumek, etc. Du coup, on va bientôt commencer la game. Voilà. Donc, j'espère que cette game vous plaira de CSGO, non, je rigole, de Minecraft. Donc, pas de lapis, pas de diamant, pas le temps de s'enchanter. Du coup, on va commencer. Du coup, remouvez tous dans votre channel. Dans votre canal. Du coup, voilà. Au revoir. A plus, c'était Mangaz. Salut à tous. Slash Amy, qu'est-ce que tu fais? Oh nice, je vais pas mourir de faim. Oh j'ai gagné. Salut ici, ouais. Je t'avais dit de dire salut tout le monde. Genre... J'ai pas dit salut tout le monde, désolé. Salut tout le monde en retard. Tu le montes et tu le remets au bon moment. Ah ouais, c'est vrai, faut dire bonjour au rec. Oui, mais mec, genre à chaque fois, à la fin je dis putain, pourquoi j'ai loupé cette transition? Et j'y pense vraiment jamais, vraiment. Bon, alors. C'était bien ma zette avec Shazam quand il faisait toutes les outros et les entrous, c'était pas mal. Tu vois ce qu'il fait? Ah, moi aussi j'ai fait ma game solo, mais. Alors, j'ai fait un truc très intelligent. J'ai mis de la cobble avant de faire tous mes arbres. Parce que dans ma Z, je me suis rendu compte en regardant mon truc que j'ai fait à la main. Tous mes arbres, je les ai fait à la main. C'est Fraternity. Ça quand on est vaillant. Fraternity, c'est toujours pareil que la saison 1. Alors, faut aller dans le Nether et tout, c'est good to hell. C'est quoi les scénarios? J'ai pas regardé, j'avoue. Même moi. Juste Norod, en fait, c'est un RR Norod. HSC. De toute façon, c'est pas comme si je me visais le Rod. Vanilla plus Norod. Surtout dans mes rêves. Ah, Madame Yaya. Wesh. Terraforming. Ouais non j'en fais pas. Oh merde. J'aime pas. Ah j'ai un poulet. Oh, il est là.
Moi ce qui m'a saoulé c'est quand il parlait sur comment ça s'appelle. Ouais. Quand il spam les gars sur F3D, hein, parce que je le fais tout le temps à RR. F3D. Ah bon ouais, 14 ouais. Chacun par team. Je récupère les masses demain. Les masses 14 par joueur ou... Il y a pas de soul comme ça, non. Je pense à fermer les pommes, mais j'ai toujours. Mec, vous voulez aller dans le Nether, il y aura forcément vie. Enfin, rush Nether mini. Comme il n'y a pas le PVP pendant 25 minutes, c'est vrai en vrai. Mais. Ouais, mais ça, c'est ouais. Ancienne, c'était le bon vieux temps ça. Et Vini, mais contre, il m'a dit. C'est ça comparé au PVP. Rush Nether, il m'a dit hier. Eh oui. Ah, y'a un joueur qui est pas des nôtres, genre KTX. Faire escalier et Yagas. J'ai KTX en face de moi dans notre forêt et il va nous voler toutes nos pommes et ça va me saouler. Abso off. Y'a Under il va starver. Ah, y'a Under, mais putain, on a tout le monde en fait. Ils ont cru que c'était une l'auberge espagnole ici ou quoi. Au Sorgi en fait. Un peu ça. Et... J'espère qu'on aura un mineshaft, mais du coup on en aura pas parce qu'on a l'extérieur. Voilà. Ouais. Regarde, Vinny il a dit faut que je batte Ender, là il parle du refinézer. Putain, c'est une animalerie ici. 30 millions d'amis, les mecs. 30 millions d'amis. Et là tu rajoutes la musique au montage. Je pense que tu seras le seul à le faire, donc vas-y. À moins ceux qui ont spawn dedans. Yeah. Ok, j'ai 5 pommes aussi, mini. Attends. Moins 1, moins 2. Il y en a un qui est gaspé de pression. Ouais, il y avait gaspé. Il y a les bleus en fait. Gaspé. Les bleus aussi. En fait, là, il y a un creeper et en dessous, il y a un squelette. Je voudrais bien récupérer le fer en fait. Qui est... Oh, wow. Torche. En 2016. Qui fait des torches? Wow. Ah, c'est aussi, je vais prendre les dégâts en premier. J'étais vraiment Iron Man sur ma Z2, mini. Parce que c'est toi qui m'as sorti ça dans le chat. J'étais mort de rire, mais en fait, roller coaster. Oh, ouais. Ouais, je sais. Je vais descendre en minant parce que j'ai pas l'impression d'avoir de grotte autour de mon spawn. Ah, de la bouffe, merde. J'ai pas de bouffe. C'est toi, mini, ça? Ouais. Il y a du charbon ici, un hein, poulet. Ah bon? Tout au fond là, tu es allé? T'es allé tout au fond là? Ah, mais voilà, t'es pas allé là. Allé dans la grotte en elle-même. D'accord, mec, genre, il y avait un squelette, moi je l'ai tué, je me suis dit, bah c'est bon, nickel. Je me disais, je vais être Iron Man, mais du coup, non. Ouais. Du coup, tu vas être. Casse, MDR. Grosse blague. Oui, il y a un squelette là-bas. Je panique, je sais pas quoi. Ok, en fait, il y a plein de squelettes là-bas. Ok. Le squelette de Minecraft, tu t'attaques avec des serviettes parce qu'il t'empêche de transpirer. Hey. Squelette armé. Squelette armé. Mais la grosse, ça me saoule, elle a l'air d'être cool. Quand t'es sorti. Ah oui, clairement.
Ça me rappelle maintenant, tout prend son sens. Un vieux film de merde, je sais pas ce que c'était, ça se passait dans l'espace, etc. Au bout d'un moment, le mec réplique du doublage en français, fait replions-nous, disons une serviette. Voilà. Du coup, maintenant, tout est expliqué avec la communauté UHC de nos jours. Le squelette, il est là-bas. Est-ce que je le rush? Ah, ok, il y en a deux. Je regarde ta vie et tu dis non. Je récolte, ça va, t'as perdu. Zéro. Mais genre, j'ai l'impression d'être dans mon UHC tellement je strat pour squelette. Hey, il m'a le temps d'arc. Ça le meilleur. Saut de lave on nether. Oh non. Oh oui. Oh. Ils veulent enlever les rods pour pas être tryhard, mais s'ils auraient activé le saut de lave, j'aurais fait en fait. T'as raison. En fait, saut de lave, ça détruit les RR en fait. Ça devrait être interdit dans le. Tous les RR au nether. Nice. En fait, genre, j'en ai pas. Interdit, c'est tous les moyens de ruiner rapidement la game d'un mec. Du coup, on devrait interdire les niveaux. Non, je rigole. C'est juste que t'es bon. Donc, je suis jaloux, c'est tout. Okay, parfait. Et genre, ce qui m'énerve, c'est quand dans les RR, ils ont les poissons de poison. Genre, au moins, un mec qui pousse son poison, c'est bien joué. Genre, pour avoir les poissons de poison, faut quand même y aller. Mais... On s'en fout, genre. Désavoir, mais c'est vrai que après ça devrait mettre genre guys, un peu de mid game. Ah ouais, c'est pas mauvais, mais c'est nul intrinsèquement comparé à. Du coup, roller coaster depuis là où je suis. Tu pourras même aller si tu ou pas à, si tu te prends ça en fight et que tu peux plus. Ah d'accord. Je mangerai des pommes en cas de secours extrême. Moi je me suis enterré dans le gros trou que t'as vu et je vais commencer à roller coaster depuis là parce que j'ai pas le droit de faire ça. On a le droit de miner au son. Minage au son. Je suis dans le lac de lave et je suis couche 12 donc bon. Le truc les gars c'est que va falloir qu'on se rejoigne parce que. Il va y avoir plein de cave fight, je pense, parce que vu tous les gens autour, il faudrait qu'on se rejoigne. Lol. C'est talk PVP. Ah, gold, mais j'ai pas de pioche en fer, le seum. Réveillé, on va dire. Ah, ils doivent être là-haut. Ou alors ils sont là. Je suis un zombie, je l'entends, il est quelque part là en plus, ce bâtard. On m'entend bien, ma voix elle s'entend. Ça va, Minibo, on s'entend bien. Parce que dans les RR, souvent j'écoute ma voix après. Il y a du. Ah ouais, non, mais là, on en est, vas-y. Oh, creeper. Aïe, j'ai pris des cœurs de creeper alors que le creeper il est à 8 mètres de moi. Ok, alors attends. Comment on envoie les koya le slash? Ok. Je vais me mettre en bas de la grotte, c'est plus pratique. Voilà, slash TL. Comme ça, c'est parfait. J'espère que la grotte est bien. Ah oui, Arcunir, tu connais la règle de la saison 1? Avec les parties en diams. Ouais. Tu peux leur expliquer s'il te plaît. Tu sais, deux parties en diams, c'est parfait. Voilà, voilà. Mais on a le droit de snowball se partir là. User left your channel. C'est-à-dire que t'as voir les celles des autres, je pense.
pouvoir d'en crafter plus de deux, je pense. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Par contre, si un mec a une partie que t'as pas, et bah tu peux la récupérer sur lui. Merde. Zach. Non, moi j'en ai eu des mobs, donc... Par contre, tu pouvais venir avec un seau d'eau, si t'as de quoi faire un seau. La mineshaft. Ça aurait été bien, mais bon. J'avoue. Il faut avoir le même taux de gold qu'hier, je dis pas non. Pour moi, c'est énormément beaucoup ce que j'ai eu hier. Non, j'en ai plus que ça à la fin. J'en ai retrouvé. J'ai trouvé deux filons en deux plus. Ah, une araignée. Old school, le mec qui va faire un pilier sous Toon. Voilà. Elle est débile en plus celle-là. Non, c'est bon. Ok, deux fils, plus qu'un pour moi. Il y a des slash tail du coup. On se rejoint à Minibo. Les grottes ont l'air pas mal, j'ai déjà deux fils en gold 12 et j'ai des grottes qui remontent comparé à la couille 12 par contre. J'inverse au bois genre. Pareil. Eh lol. C'est le gros bâtard. Tu vois celle qui plonge, et bah tu vas dedans. Laisse l'acheter, elle attend. Voilà, et ensuite tu es tout au fond. J'en fasse un slash TL ? Ah non. Ah non, je suis descendu en pilier au début. C'est pas grave. Vous avez du cuir du coup ? Ma mini à toi, je vois. Il a pris de la lave, non ? Ah oui, je te dis, elle descend. C'est pour ça que j'ai voulu aller dedans. J'ai Optifine dedans, j'ai fait ok, faut que j'aille là-dedans. Bon, tant pis pour le faire. Ok, maintenant je vais pouvoir récupérer mon gold, ce qui est plutôt nice parce que j'ai eu deux filons. Il y a celui à l'entrée d'ailleurs. Oh, je suis tellement lucky que j'ai eu un filon de 1. Et puis ensuite j'ai miné au sang jusqu'à un lac de lave. Mais elle remonte de ouf après quand même. Je vois ton pseudo, je suis beaucoup plus haut quand même. Ah, il y a un BS de vie. Ouais, j'ai des torches, attends. Ah bah, il y en a après. Ouais, je l'ai dû oublier de le prendre parce que je suis pas très bon. Faut vraiment un pseudo. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Éventuellement. Tu prends le filon de gold qu'il y avait à l'entrée ? Merci, parce que j'ai la flemme de revenir en fait. Ah oui, d'accord, ça descend. Toi, Arcunir, ça ? Ah oui, Arcunir, MDR. En fait, c'est moi qui ai creusé à côté de toi là. Enfin, j'ai creusé moi. Je sais pas si t'as entendu un bruit de creusage de bloc, moi j'ai creusé. Alors je vais essayer de battre un record, à savoir être full fer avant le début du PVP, ce que je n'ai jamais fait MDR. Ouais, ça c'est bien fait. Philosophie.
j'entends de l'eau, ce qui fait que ma grotte sera pas finie. C'est nice. Pas très grande. Mais je dis pas. Salut. Bah, ça va faire des links proches de chez nous et tout, ça va être horrible. On n'a pas de pioche en diamant pour casser le bloc d'obsi ou quoi, c'est horrible. Ça fait qu'ils peuvent pas le rallumer. Du coup, ils apparaissent pas proches. Ils sont obligés de refaire le leur. Ah oui, non, mais tu peux pas les casser de l'autre côté. Non, mais je dis de la merde. Sinon, ouais. Je suis fatigué alors que c'est le beau milieu de l'après-midi. Cuir est en train de faire. Elle est où l'eau? Je l'entends, mais. Oh, j'ai pas, non. J'allais dire, je suis 30 plus. Ok, j'ai trouvé l'eau. J'aimerais bien faire comme Gabe dans Baguette. Il a fait quoi, Gabe dans Baguette? Dernier Baguette, bah, disons que le diamant. Ok, ça c'est la grotte juste pour me donner une source d'eau en gros. Fire Aspect On. Pourquoi désactiver tant de trucs tryhard pour laisser le Fire Aspect On? C'est horrible, je crois que j'ai même pas de pack anti-feu, j'ai un doute. Je trouve ça hyper gênant en fait pour PvP, et je trouve que c'est ça dégueulasse les conditions de fight en fait. Ouais, que les gens ils spamment pas genre une rod, mais que dès qu'il y a une rod, tu la craftes, j'allais genre 20 use ou un truc dans le genre. Un cooldown. Non, vu qu'on a pas le même lit. Parler de partout. Ouais, tu m'entends. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Ouais, mais